aux dirigeants, aux associations qui reçoivent les mineurs. L'écriture de cette lettre est due à plusieurs causes. En tout premier, nous sortons de chez nous pour traverser les pires moments dans les pays maghrébins. Après, certains d'entre nous échappent à la mort dans ces pays et d'autres sont obligés à faire des travaux forcés. Tout cela dans l'espoir de vivre un lendemain meilleur. Une fois arrivés en Europe, dans un premier temps, nous sommes heureux car nous croyons que nos vies vont changer, que nous allons pouvoir avoir tout ce dont nous avons manqué auparavant. Mais hélas, nous sommes confrontés au pire moment parce que nous sommes remis dehors avec toutes ces conditions désagréables que quelqu'un peut connaître. Nous sommes confrontés à des évaluations de forums réfugiés qui ne serviront presque à rien si nous ne sommes refusés après l'évaluation. À cette étape, nous sommes mis dans des endroits vraiment déplorables pour passer un recours, pour passer des recours qui durent parfois 2 mois à 1 an. Pendant ces mois, nous dormons dans des tentes. Nous sommes mal nourris, mal habillés. Faire sa toilette reste un problème. Nous n'avons aucun soutien, aucun abri, aucun toit. Pas de scolarisation, pas de prise en charge médicale. Avec le juge ou les avocats, nous attendons parfois longtemps pour des rendez-vous. C'est le mal, 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 c'est le mal. Oui, je sais. C'est le mal qu'on a fait, c'est le mal qu'on a fait. Oui, je sais, oui, je sais. C'est le mal qu'on a fait, c'est le mal qu'on a fait. Oui, je sais, oui, je sais. C'est le mal qu'on a fait, c'est le mal qu'on a fait. Oui, je sais, oui, je sais. C'est le mal qu'on a fait, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Qu'est-ce qu'un mineur isolé? Bon, c'est un mot qui est très court et vraiment, vraiment facile à définir. Mais c'est quelque chose aussi c'est-à-dire que les hauts placés ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce qu'un mineur isolé? Alors, comme son nom l'indique, cela signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire enfant à la rue, enfant en danger, enfant non accompagné, enfant privé de scolarité et d'encadrement. Batman, Arjetman, Gometic 9, Gometic Man, Gometic Sal, Gometic Mal, mais au final, y'a la Bengal, y'a pas de mal comme le Sénégal, à l'île des gourous et cannibales, y'a le Sars mal, j'ai le Sars mal, déjà mal, j'ai le pire mal, il pique mal, c'est le migrant, le calbol, c'est le tout le temps, le bad boy, y'a le mic-mic, la pire, il se pique-né, il s'aime la télé d'un tout le temps, un big love à toutes les fois, il va assez à toutes les femmes, nos jacettes n'ont pas de cran, c'est pourquoi ils n'ont pas de cran, ils sont du monde. Un bec sans ton regard est blessant. Quand on doit c'est mon dos, non non laisse ça pour le niveau. On cherche le bon dans le beau, le monde tourne comme un corbeau. Hey, hey, hey. Sous mon dama, la sous ma suma. Quand on fait ma gira, la je vois les mambouma. Je vais me faire ma suma, à la moussa liwa bimbe. Virina, oneri, virina, wagati. Nous n'avons jamais eu affaire avec les autorités pour des problèmes de vol ou d'agression, car nous savons ce que nous voulons, qui est d'étudier, avoir une bonne formation professionnelle et progresser dans la vie. Alors ne voyez-vous pas que c'est peut-être ceux que vous rejetez actuellement qui demain pourront être des bons citoyens pour cette nation et contribuant à son évolution. Change ma vie, à la recherche du bonheur, je change ma vie. Gucci, shopping, running, shopping, finally. Puis c'est là, dans mon family. Venez, challenge, money, papa, change ma vie. À la recherche du bonheur, je change ma vie. Gucci, shopping, running, shopping, finally. Puis c'est là, dans ma family.
j'achète mes chèvres, j'achète mes blèves, j'achète mes chèvres. Le goût de vivre me fait sortir de la bâtisse. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe depuis que vous êtes dans le gymnase, s'il vous plaît? Ouais. Bonjour, je m'appelle Souleymane et depuis que nous sommes au gymnase, ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'espérait aussi. Ils nous ont proposé des conditions qui n'ont pas complètement tenu. Et là, nous essayons de pouvoir parler aussi pour de les rappeler qu'ils n'ont pas rempli leurs conditions proposées. Et honnêtement, ça ne va pas trop bien là-bas aussi, que nous ne mangeons pas sur place. Nous avons eu juste de l'eau chaude hier depuis que nous sommes là-bas. Et nous n'avons même pas de ticket de transport. Donc ça manque beaucoup de choses là-bas, beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez du coup, précisément? Nous attendons d'avoir des cartes SL pour pouvoir nous déplacer s'ils veulent qu'on aille manger à Charpène. Et nous attendons là-bas que juste 2 mois, parce qu'ils nous ont dit que nous allons rester là-bas 2 mois, en attendant nos procédures et nous avons accepté. Bon, on va attendre 2 mois, si rien ne se passe d'ici 2 mois, on va essayer de manifester aussi. Vous avez parlé de nouveaux arrivants tout à l'heure, que vous n'arrivez pas à accueillir? Ouais, ils nous ont dit qu'ils nous ont proposé le gymnase avec 70 places. Et malheureusement qu'il y a d'autres jeunes qui viennent aussi, qui sont refusés par forme réfugiés. Et que malheureusement pour eux, ils n'ont pas de place, ils sont obligés de dormir dehors comme nous on le faisait avant. Et nous on ne trouve pas que c'est une bonne chose de les laisser dormir dehors aussi. Donc du coup, on propose, on les demande aussi de pouvoir ouvrir et de pouvoir amener beaucoup plus de place, beaucoup plus de lits pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants qui viennent. On croit la vie, on croit quoi? On croit la vie, on croit quoi? Maman, on va là, on s'en va. Papa, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Sébastien Gervais du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Et aujourd'hui, il y a une journée de mobilisation nationale en fait pour les droits des mineurs isolés. Il y a des manifestations à Paris, de Toulouse, Nîmes, Marseille, Rennes, Lille, et j'en oublie sûrement. Une mobilisation qui est autour des revendications d'une tribune qu'on a écrite avec, coordination pour la défense des jeunes exilés en danger, qui demande essentiellement la présomption de minorité pour les mineurs isolés dont les droits sont complètement bafoués en France quand ils sont refusés par le département. Alors pourquoi vous avez voulu être là en tant qu'SOS Raciste, s'il vous plaît, aujourd'hui? Parce que déjà, premièrement, au-delà de porter le combat du racisme, en fait, c'est un combat humain, tout simplement, du regard d'un enfant, en fait, parce qu'avant d'être des migrants, comme c'est des enfants, simplement. Et donc déjà, d'apporter un soutien. Et après, oui, avec le nom d'SOS Racisme, pour pouvoir faire grossir ce mouvement, puisque justement, comme vous allez pouvoir voir après, il y a une tribune qui a été mise en place, car les jeunes, bien qu'ils soient mis dans un gymnase par la ville de Lyon, qui d'ailleurs a outrepassé ses compétences, c'était la métropole normalement de les prendre en charge, c'est pas du tout une solution pérenne, c'est une solution d'urgence, et même dans cette solution d'urgence, ils n'ont même pas possibilité de manger sur place. Obligé d'aller au secours populaire, mais pour y aller il faut des tickets de métro, ils sont pas payés, ils ont des tickets de métro qui ne sont pas payés, donc dans une grande précarité en fait.
Et c'est ensemble qu'on y arrivera, donc il faut pouvoir mutualiser ses forces pour pouvoir porter le combat. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes à cet événement aujourd'hui, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis ici parce qu'il y a des jeunes qu'on appelle des mineurs isolés et qui sont en recours aujourd'hui parce qu'on ne leur a pas reconnu leur minorité, alors qu'ils ont besoin de protection des services pour les mineurs. Et je crois que c'est important d'être à leur côté parce qu'en France, on doit pouvoir apporter un soutien, un hébergement à des jeunes mineurs qui sont isolés. Et c'est pour ça que je suis là auprès d'eux et auprès du collectif qui les soutient fortement. Oui, il y a eu un incendie cet été, ça a été conjugué à la fermeture d'un ancien squat. Du coup, des jeunes se sont retrouvés à la rue, il y a des efforts qui sont faits quand même au niveau de la métropole. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps ? Si vous voulez, aujourd'hui, vous avez effectivement des mineurs qui... en tout cas des jeunes qui doivent bénéficier de la présomption de minorité et qui étaient dans un campement. C'est bien, la ville de Lyon a ouvert un gymnase pour qu'ils soient logés. C'est bien parce que également la métropole et l'État ont ouvert un lieu qui bénéficie d'un suivi, d'un accompagnement pour les mineurs isolés, pour qu'effectivement ils puissent bénéficier tout simplement d'un dispositif qui leur permet de s'insérer et de trouver du travail. Donc, mais pour tout ça, il y a besoin de ces collectifs qui les soutiennent au jour le jour et qui aussi font pression sur nous, les élus, pour que nous agissions. Le collectif parle par exemple, demande l'ouverture de 50 places supplémentaires. Vous en pensez quoi ? Écoutez, le collectif demandait à juste titre que les jeunes qui étaient logés, qui campaient sur le plateau de la Croix-Rousse puissent bénéficier d'un dispositif. C'est bien parce que la ville de Lyon, le maire de Lyon a décidé la semaine dernière d'ouvrir un gymnase. Aujourd'hui, ces jeunes sont logés dans un gymnase. Il y a un accompagnement et il faut bien comprendre qu'ils sont logés dans un gymnase, mais que dans les dispositifs qu'on appelle la station qui a été mise en place par la métropole et la ville de Lyon, une fois que les jeunes on a reconnu leur minorité, ils sont pris en charge par les services de la métropole et donc il y a des places qui se libèrent et ceux qui sont dans le gymnase peuvent aller bénéficier de ces places à la station.